La police secours. La police secours, qui est souvent nommée par son acronyme, PS, est composée d'hommes et femmes intervenant en tenue d'uniforme à la suite d'appels reçus au numéro d'urgence, le 17 ou le 112. Ces effectifs sont des policiers titulaires, donc gardiens de la paix, brigadiers, brigadiers-chefs, majors, et également des gardiens de la paix stagiaires et des adjoints de sécurité. Elle est généralement primo-intervenante sur les interventions et peut être assistée d'autres services d'appui de voie publique, comme le groupe de sécurité de proximité, GSP, la brigade anticriminalité, BAC, et bien d'autres. La police secours est placée au sein de la direction centrale de la sécurité publique, DCSP, qui emploie 66 337 personnels titulaires et contractuels, au 1er janvier 2016. Ces effectifs sont répartis sur tout le territoire national, hors région parisienne, puisque c'est une autre direction, que ce soit en police secours ou dans d'autres services, comme par exemple la SIC, la BAC, la sécurité départementale, le GAGE, le BAGE, les GSP, les compagnies d'intervention, les BSU, etc. Les missions de la police secours sont intervenir à la suite des appels d'urgence reçus au 17 police secours, porter secours et assistance aux personnes, patrouiller sur la voie publique, lutter contre la petite et moyenne délinquance commise sur la voie publique, vol avec violence, vol à la tire, dégradation, etc. Sécuriser les accidents de voie publique, intervenir lors des conflits familiaux ou de voisinage, surveiller et gérer les gardes à vue, accueillir et informer le public. Composition des équipages. Un équipage de police secours se compose d'un chauffeur, d'un chef de bord et éventuellement d'un ou deux équipiers. Le chef de bord est généralement le plus gradé ou le plus expérimenté. Pour permettre une plus grande adaptabilité de chacun, les équipages de chaque brigade changent quotidiennement. L'équipement. L'équipement dont sont dotés les policiers affectés en police secours est le Six-Hour SP 2022 ainsi qu'un gilet pare-balles et une paire de menottes. C'est l'équipement qui est en dotation individuelle pour tous les fonctionnaires de police actifs. Des bâtons de défense comme le bâton télescopique de défense, BTD, le tonfa ou le bâton de défense souple, BDS. Des armes en dotation collective comme le HKU-MP9, le LBD-40 ou le Taser. Des tablettes Neo avec diverses applications, PV électronique, fichier police, scan d'attestation de déplacement. Des éthylotests électroniques, des tests de dépistage stupéfiants, des radios de bord dans les véhicules et des radios portatives lorsque les policiers doivent se déplacer à pied. Les véhicules. Les différents véhicules sérigraphiés dont dispose la police secours sont le Peugeot Partner, le Citroën Berlingo 2, la Peugeot 308, la Skoda Octavia 3, la Ford Focus 3 Phase 2 SW, la Renault Mégane 4 Estate, le Dacia Duster. Tous ces véhicules sont dotés de moyens sonores, appelés deux tons, et lumineux, le gyrophare. Généralement, il y a également dans chaque véhicule trois gilets pare-balles lourds, un bouclier balistique, un appareil de mesure pour les accidents routiers, des moyens lumineux de balisage pour les accidents, nommés Spiraled, des cônes de signalisation routière, un kit de premiers soins, une couverture anti-feu, et un extincteur et des couvertures de survie. Fonctionnement. Lorsqu'une personne appelle le 17, si elle se trouve en zone police, elle tombe sur un centre d'information et de commandement, SIC, où des policiers sont chargés de répondre aux appels et d'orienter les effectifs de voie publique, notamment les effectifs de police secours, sur les différentes interventions. Généralement, c'est le centre du département ou d'une partie du département qui répond aux appels. Le centre n'est donc pas forcément dans la ville de la personne qui appelle. Si vous êtes en zone rurale, le 17 renvoie sur le centre opérationnel de la gendarmerie, COG. Dans les petites circonscriptions sans SIC ni COG, c'est le chef du poste du commissariat ou de la gendarmerie qui répond aux appels. Donc que ce soit aux appels 17 ou aux appels passés sur le numéro du commissariat ou de la gendarmerie. Les particularités liées à la préfecture de police. Pour la préfecture de police, PP, le 17 tombe à la plateforme des appels d'urgence, PFAU. Qui centralise police, pompiers, l'équivalent à petite échelle du 911 américain. À chaque appel non fantaisiste, l'opérateur du 17 crée une fiche dans Pégase, le système d'information du 17. La fiche apparaît alors à l'opérateur radio local en charge de dispatcher les équipages. Dans un cas d'urgence, comme par exemple un homme en train de tirer dans la rue, un cambriolage en cours, l'opérateur du 17 lancera directement un appel général à la radio pour appeler non pas un ou deux équipages, mais tous les équipages disponibles. Il faut savoir que ce sont environ 1,5 million d'appels que gèrent au global les centres du 17 chaque année, ce qui fait un peu moins d'un appel pour 1 000 habitants par jour.
les statistiques indiquent qu'environ 30% sont des urgences réelles. Le reste des appels ne sont pas urgents. Ce sont par exemple des demandes de renseignements, plus de 25%, des appels fantaisistes, plus de 5%, des appels incohérents, des erreurs, des appels raccrochés. Il faut savoir que les appels fantaisistes récurrents sont fichés et dépriorisés des files d'attente téléphonique, et les personnes sont parfois poursuivies. Alors les pics d'appels sont variables, mais il y a tout de même des tendances. En journée, les pics sont sur la pause déjeuner, entre midi et 14h, et en fin de journée, entre 16h et 23h. Il y a également plus d'appels du vendredi soir au dimanche matin, et l'hiver est évidemment plus calme que l'été. Lors de leur arrivée sur une intervention, les effectifs de police secours doivent annoncer leur arrivée sur les lieux à la radio. En fonction de l'évolution de la situation, ils peuvent demander des renforts, des précisions, la topographie des lieux, l'identité du requérant, le nombre de personnes présentes sur place. Ils doivent annoncer leur départ des lieux à la fin d'intervention et faire un compte-rendu radio à l'opérateur radio de la SIC. Après l'intervention, ils reprennent leur patrouille ou partent sur une autre intervention. Ils peuvent également faire retour au commissariat avec une personne interpellée ou une victime, pour une mise en garde à vue par exemple, ou une audition. Et ils doivent réaliser un compte-rendu de l'intervention sur un logiciel, la nouvelle main courante informatisée, et dans certains cas, lors d'une interpellation, d'un accident de voie publique ou autre, ils doivent réaliser un ou plusieurs procès-verbaux. Hors intervention, les effectifs de police secours assurent une présence visible en patrouillant sur la voie publique, ce qui sert à rassurer et dissuader de potentiels futurs auteurs d'infractions. Ils peuvent également faire des interventions s'ils sont requis par une personne, par un appel au commissariat ou directement être requis lors d'une patrouille, ou par un supérieur hiérarchique, officier, commissaire, officier de police judiciaire, pour une interpellation à domicile par exemple. Ils peuvent également faire des contrôles dits d'initiative, comme réaliser des contrôles vitesse, des contrôles routiers, contrôler une personne avec une attitude suspecte, une personne vendant ou faisant usage de produits stupéfiants. Pour la préfecture de police qui gère la région parisienne, la PP, le mode de fonctionnement est légèrement différent pour la composition des équipages et le matériel, bien que dans l'ensemble, les missions sont similaires. Il n'y a pas de groupe de sécurité de proximité, GSP. Les équipages sont de 3 minimum, le chef de bord est toujours le plus ancien. Dans les véhicules, il y a un équipement balistique complet, porte-plaques, casque balistique, bouclier balistique, et un équipement maintien de l'ordre, avec bouclier souple, casque MO, jambière. Par contre, il n'y a pas vraiment d'équipement pour les accidents de voie publique, à part quelques cônes, l'éthylotest électronique et les dépistages stupéfiants. Il faut savoir que pour les véhicules, il y a également les Golf électriques et tout récemment des Charan, véhicules qui sont sérigraphiés avec une sérigraphie ancienne ou nouvelle qui est réservée à la préfecture de police, comme par exemple le sérigraphage noir et blanc qui est la couleur historique de la préfecture de police. Ces informations m'ont été données par Juliette Alpha, donc allez voir son compte Twitter, @JulietteAlpha17, qui a été en police secours en région parisienne pour la préfecture de police pendant de nombreuses années. Maintenant, je vais vous parler un peu de mon expérience, puisque moi personnellement, j'ai été et je suis toujours dans la police secours. Il faut savoir que sur ma circonscription, au deuxième trimestre 2019, 370 interventions ont été réalisées, dont 229 suite à un appel 17. Même si personnellement, je ne suis pas dans un gros commissariat, je suis amené à intervenir sur différents types d'interventions. Parfois, c'est répétitif et ce sont souvent le même type d'intervention, comme par exemple des accidents, des différends de voisinage ou familiaux, des vols à l'étalage. Mais dans l'ensemble, c'est très varié, et ce qui m'attire le plus dans la police secours, c'est l'action et l'imprévu. J'ai passé environ 2 ans en tant que KDS dans la police secours, et j'ai vécu beaucoup de situations et réalisé de nombreuses missions très variées. Je vais vous citer quelques exemples. Interpeller un auteur de vol et violence volontaire, comme par exemple un homme qui a volé la casquette d'un enfant en mettant une gifle à sa mère. Réaliser des contrôles routiers. Par exemple, récemment, contrôler les attestations de déplacement pendant le confinement, des contrôles qu'on réalisait au moins 1 heure par jour. Accueillir et renseigner le public à l'accueil du commissariat. Par exemple, renseigner des gens pour divers renseignements, savoir où est la mairie, savoir où ils peuvent déposer des clés qu'ils ont trouvées quelque part, savoir où se trouve une rue, savoir comment déposer plainte, orienter des personnes convoquées par des collègues, répondre aux appels téléphoniques, prendre des mains courantes. J'ai également placé en garde à vue des individus en réalisant leurs fouilles et en les escortant jusqu'au bureau de l'officier de police judiciaire de permanence pour qu'ils soient auditionnés dans le cadre de leur garde à vue. Il m'est également arrivé de présenter devant un magistrat au tribunal des individus interpellés à la suite d'infractions. Par exemple, 3 jeunes mineurs ayant commis des dégradations volontaires par incendie et des vols dans des garages une nuit sur une des communes de ma circonscription. J'ai également réalisé des constatations de police technique et scientifique
lors d'un vol dans une habitation, une entreprise, également un véhicule. Puisqu'il faut savoir que j'ai été formé et habilité à effectuer des relevés de police technique et scientifique grâce à une formation que j'ai passée, nommée policier polyvalent, et qui me permet de faire des relevés d'empreintes, des relevés d'empreintes ADN, d'empreintes palmaires et papillaires avec de la poudre, et également de pouvoir faire des clichés, enfin voilà, tout ce qui est police technique et scientifique pour la petite et moyenne délinquance. Donc j'ai déjà fait par exemple des constatations dans une maison après un vol par effraction, avec relevé d'empreintes palmaires et papillaires, photographie des différentes pièces, prélèvement biologique par écouvillon sur des objets et meubles potentiellement manipulés par les auteurs. Patrouiller et prendre contact avec la population, les commerçants et les usagers de la route afin de veiller à la sécurité et l'ordre public. Interpeller un individu en possession de produits stupéfiants, ça m'est arrivé à de nombreuses reprises. Intervenir sur les lieux d'un accident de la route, ça m'est également arrivé assez souvent, comme par exemple des accidents entre plusieurs véhicules, entre une voiture et une moto, ou entre une voiture et un vélo ou un piéton. Il m'est déjà arrivé aussi d'interpeller le conducteur d'un véhicule, comme par exemple un conducteur en état d'ébriété ou sous l'emprise d'un produit stupéfiant. Il est également arrivé à des collègues à moi d'interpeller un conducteur en moto, évitant un contrôle routier et faisant un refus d'obtempérer avec délit de fuite. Cette personne fut interpellée un peu plus tard dans l'après-midi, après avoir croisé mes collègues à qui il avait fait le refus d'obtempérer. Il était malheureusement revenu dans une des communes dont nous dépendons et nous l'avons croisé lors d'une de nos patrouilles et nous l'avons donc interpellé. Et j'ai vécu bien évidemment bien d'autres interventions, mais bon, je ne vais pas tout vous raconter non plus, sinon cette vidéo va durer des heures. Personnellement, pour moi, la police secours, c'est la meilleure école quand on est jeune policier, car le grand nombre et la variété des missions permet de prendre de l'expérience et d'acquérir une certaine polyvalence, et également de mieux savoir par la suite quel est le domaine ou le service qui me convient le mieux. Je pense qu'après avoir passé encore plusieurs années en police secours, et notamment en tant que gardien de la paix, si je réussis à avoir le concours de gardien de la paix que je suis en train de passer actuellement, je saurai mieux m'orienter pour la suite de ma carrière. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les sources sont en description. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et n'hésitez pas également à venir me parler sur Twitter. Vous avez le lien dans mon à propos sur ma chaîne YouTube ou également sur ma bannière. Si vous avez tout type de questions en lien avec la police, n'hésitez pas à venir me les poser. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.